Chaque année en France, 20 000 morts pourraient être évitées grâce aux gestes secours qu'on appelle aussi les gestes qui sauvent. Groupama Nord-Est a décidé de s'impliquer dans le développement de ces gestes secours à travers une opération sur plusieurs années et une convention signée avec les sapeurs-pompiers de la Marne. Pour nous en parler, Alain Caillé, vous êtes président de la caisse locale SUIP Mourmelon de Groupama Nord-Est. Vous êtes également vice-président départemental. Et puis un détail important, vous êtes pompier volontaire. Donc vous êtes à l'aise pour évoquer ce sujet. Avec nous également Fabien Ardelin. Donc vous êtes responsable de la vie mutualiste en fait à Groupama Nord-Est. Et puis donc le lieutenant Jean-Yves Lenné, vous êtes directeur départemental vous êtes chef de service du département, c'est ça ? Chef de service du développement. Ah oui, du développement. Chef de service du développement au volontariat. J'écris pas toujours très bien. Alors, vous avez signé, donc on l'a dit, une convention avec Groupama. On y reviendra tout à l'heure et on parlera aussi concrètement de ce que sont ces gestes secours. Alors, Alain Caillé, d'abord, pourquoi Groupama a-t-il décidé de lancer un programme de formation au premier secours ? Groupama a lancé ce programme il y a un an, puisque on s'est aperçu que... À la foire de Châlons, d'ailleurs. Oui, il y a un an exactement, on signait la convention de partenariat. Et au niveau national, Groupama avait décidé de mettre en place cette formation. Et après, chaque région et chaque département la gérait comme elle le voulait. Donc nous, au niveau de la Marne, on a proposé au SDIS un partenariat. Étant déjà, moi, pompier volontaire, c'est vrai que les portes s'ouvraient plus facilement. Et avec le SDIS, nous avons réfléchi à un partenariat. Qui s'est avéré positif, puisque je vous dis, il y a un an exactement, on signait la convention avec le président du SDIS et le président de Groupama pour un partenariat sur 5 ans avec des formations aux gestes qui sauvent qui auraient lieu dans les centres de secours de la Marne. Parce que moi, étant pompier volontaire, j'ai appuyé sur ce sujet. Puisque je pense que la majorité des gens qui viennent en formation n'ont jamais passé la porte d'un centre de secours. Et je vous dis qu'il y en a, ça les marque. Hein, parce que quand on voit les outils, le matériel qui est présenté dans les centres de secours, et c'est vrai qu'il faut aussi remercier les pompiers qui nous font ces formations, parce qu'ils mettent vraiment en évidence leur centre, ils sortent le matériel, ils le proposent, on peut visiter, ils nous font des essais, et ça peut motiver aussi les gens à un volontariat, aux pompiers volontaires, hein, parce que c'est vrai que on a aussi du mal aussi à recruter des volontaires dans les pompiers, je sais de quoi je parle également. Et franchement, c'est un gagnant-gagnant pour les pompiers et pour Groupama. Alors, l'objectif au niveau national, c'est 1 million de personnes formées en 5 ans. Oui. Formées à quoi ? Formées aux principaux gestes de secours. D'accord. Ouais. Concrètement, on reviendra sur quelques exemples tout à l'heure, mais concrètement, ça dure combien de temps ? Ça dure 2 heures. La formation dure 2 heures. Alors, ce n'est pas une formation où on va tout vous apprendre, hein, mais c'est les principaux gestes de secours. Il y en a cinq et les pompiers, les formateurs des pompiers qui nous les proposent sont des gens agréés, bien sûr. Hein, on ne fait pas ça comme sans être diplômé. Et c'est une formation de base pour tout le monde. Alors, c'est Groupama qui l'organise avec les pompiers, mais cette formation, elle est ouverte à tous. Pas que les sociétaires Groupama. Voilà. À partir de quel âge À partir de 13 ans. D'accord. 13 ans 10 ans Pardon, 10 ans. 10 ans. Mais oui. Ouais. À partir de 10 ans, jusqu'à, il n'y a pas de limite. Mais c'est vrai que cette formation est ouverte à tout le monde. Sociétaires Groupama ou pas. D'accord. Hein, d'accord. Donc voilà. Et donc les gens s'inscrivent où pour ces films ? Alors je pense qu'on vous donnera les réponses plus tard, mais c'est sur le site internet, faut aller voir groupama.fr. D'accord. Vous aurez tous les renseignements, les dates, les lieux pour vous inscrire. Alors on va maintenant parler concrètement hein, de ces gestes de secours en compagnie du lieutenant Jean-Yves Lenné. Les principaux gestes de secours, les principaux gestes qui sauvent. C'est quoi, par exemple, les 5 points que vous abordez dans la formation ?
Alors, les cinq points que nous abordons, c'est déjà être en capacité de se protéger soi-même quand on intervient. C'est important. On est face à un danger, donc il faut observer, analyser très rapidement, mais être en capacité d'intervenir, mais sans se mettre en danger. Et ça, c'est ce qu'on apprend aussi à l'intervenant, pour qu'il puisse se protéger lui-même, mais aussi les autres. C'est tout ce qui est protection, par exemple une électrisation. Voilà, si on veut sortir la personne et intervenir pour peut-être faire un massage cardiaque, il va falloir couper ce qu'on appelle les fluides, donc le courant. Sinon, on va se mettre en danger soi-même. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, la deuxième des choses, c'est d'être en capacité de passer une alerte qui soit correcte, en donnant la bonne adresse, en donnant les bonnes coordonnées, ce qui se passe, et si on a entrepris des gestes. C'est important. Voilà. Aussi, il y a une autre étape, c'est d'être en capacité de mettre une personne, comme on dit, en PLS, en position latérale de sécurité, lorsqu'une personne est inconsciente et qu'elle ventile. Voilà, c'est simplement la mettre sur le côté et vous allez faire en sorte que sa situation ne s'aggrave pas. Voilà. Ensuite, il y a aussi le thème des hémorragies, où là, il faut stopper l'hémorragie, trouver le moyen de stopper l'hémorragie en faisant un appui manuel, en mettant un pansement compressif, de façon à ce que, effectivement, encore une fois, la situation ne s'aggrave pas. Et le dernier geste, et celui qui est important, et on retrouve des défibrillateurs partout, c'est d'être capable de masser une personne, d'utiliser un défibrillateur. Voilà. Ces cinq gestes sont vraiment essentiels et sont accessibles à un enfant de 10 ans. Et nous en avons la preuve, nous avons des jeunes qui réalisent parfaitement les gestes. Cette formation est accessible vraiment à tout le monde. Voilà. Comment vous expliquez qu'il y a une si faible culture en France de ces gestes qui sauvent? Je crois qu'aux États-Unis, par exemple, c'est intégré dans les programmes scolaires. Oui, tout à fait. Je pense qu'il faut vraiment sensibiliser la population. Le collègue sapeur-pompier volontaire en a parlé. Il faut inciter les gens à se former aux gestes qui sauvent. Je pense que c'est dès l'école, effectivement. Il faut informer, il faut accompagner les jeunes. Et puis, il faut sensibiliser cette population sur le fait que c'est le premier maillon de la chaîne. Les pompiers interviennent une fois que l'alerte a été donnée, mais le temps que nous arrivions, le premier maillon de la chaîne est vraiment important. Et c'est le citoyen que nous sommes, les uns et les autres, qui peut intervenir, qui peut aller chercher un défibrillateur et qui peut le poser et commencer le massage cardiaque. Chaque minute compte. Chaque minute compte. Alors, on va revenir sur l'inscription aux formations, compagnie de Fabien Arnoy. On disait c'est sur groupama.fr. Tout le monde peut s'inscrire. Et comment ça se passe? Il y a un programme qui est proposé de formation? Oui, alors en fait, on a la chance, comme le disait Alain Caillé tout à l'heure, si vous voulez, d'avoir des centres de secours bien disséminés sur le département. Donc franchement, ces formations, c'est à côté de chez vous. Et en allant sur le site groupama.fr et en tapant les gestes qui sauvent, vous allez cliquer votre département, la Marne, et là vous allez avoir la liste de tous les centres et de toutes les dates, en sachant qu'on s'adapte vraiment au public, c'est-à-dire que les formations, c'est soit le vendredi soir de 18 à 20h, soit le samedi matin de 9 à 11, soit le dimanche matin de 9 à 11. Donc on essaye vraiment d'être disponible quand les gens le sont aussi, si vous voulez. Donc là, on a quelques premières dates, si vous voulez. Mais franchement, ce premier planning va être, comment dirais-je, enrichi dans les semaines à venir. Mais bon, voilà, la première date, c'est déjà le 23 septembre, au centre d'Ampierre, le château, de 19h à 21h. Voilà. Et ensuite... Alors, il y a aussi le stand, groupe à Manorest, où il va y avoir des démonstrations, je dirais, de... c'est des simulations, en fait, d'intervention. Oui, alors, en fait, vous vous doutez bien que ça reste notre opération phare. Et nous avons voulu mettre en avant, tout d'abord, nos partenaires du SDIS à travers un petit film qui a été tourné au centre de secours de Suippes et où vous pourrez voir, là, les cinq ateliers dont vous venez de parler. Et puis, on a voulu, cette année, rajouter une petite animation avec des casques de réalité virtuelle où on va proposer à une personne, en fait, un petit quiz animé et de choisir la bonne solution dans des situations de crise. D'accord. Et donc, il y a un côté ludique. Vous avez totalement raison. Les casques de réalité virtuelle, aujourd'hui, c'est le côté ludique. Oui, tout à fait. Comment réagissent les gens qui suivent ces formations? Qu'est-ce qu'ils vous disent après? Il y a une petite appréhension au début. Et quand la formation est finie, c'est « mais pourquoi on ne l'a pas fait plus tôt ?» quoi.
On a du professionnalisme dans les conseils et les gestes qui sont pratiqués par les sapeurs-pompiers. Et franchement, les gens ressortent bien armés, mieux armés, et ça, ils nous le disent. Lieutenant Lenné, vous avez le même sentiment après une formation? Oui, tout à fait. Retour. Et puis, cela suscite aussi des vocations, effectivement, puisque sur Vitry-le-François, nous avons fait une formation le 1er et le 2 juillet. Et à la suite, un jeune s'est inscrit aux jeunes sapeurs-pompiers. Très bien. Je crois qu'il y a aussi des gens qui veulent aller plus loin et suivre d'autres formations type PSCI ou sauveteur secouriste du travail. Alors également aussi, vous avez les premiers gestes effectivement que l'on peut faire. Où là, c'est un programme un peu plus long, un peu plus conséquent effectivement, et on rentre un peu plus techniquement sur certains gestes, et on voit encore d'autres possibilités effectivement. Alors en attendant de pouvoir suivre une formation comme ça Bon, parce que les dates ne conviennent pas ou je ne sais pas quoi, il y a aussi sur le site groupama.fr des tutos. Oui, tout à fait. Donc, ça permet aussi de rassurer la personne, ouais, si vous voulez. Bon, elle voit un petit peu ce à quoi elle va être confrontée, et ça permet de franchir le pas. C'est ça, ce qu'il faut que nous arrivions à faire, c'est que la personne, elle franchisse le pas, qu'on arrive à la décider. Et ces tutos sont très, très bien, très, très bien faits pour expliquer un petit peu ce que la personne va vivre pendant ces 2 heures. Alain Caillé, je voulais avoir votre témoignage sur la culture de la prévention qui règne à Groupama depuis longtemps. Et je poserai la même question ensuite à Fabien Ardouin. De toute façon, Groupama, ça a toujours été une assurance qui prônait la prévention, puisqu'on sait toujours qu'on dit toujours que vaut mieux prévenir que guérir. Hein. Et la prévention chez Groupama, je veux dire, moi ça fait une vingtaine d'années que je suis élu à Groupama, et j'ai toujours connu la prévention, et d'ailleurs c'est pour ça que dans les caisses locales, il y a des conseils d'administration, et dans les conseils d'administration, tous les ans, dans nos budgets, on prévoit des manifestations de prévention sur nos caisses locales. Alors ça, c'est au niveau départemental, mais c'est au niveau national aussi, puisque on a tous le même rôle chez Groupama. Et la prévention, ça a toujours été notre fer de lance, puisque on est toujours apprécié pour ça, puisqu'on est les seuls à le faire. On est les seuls, hein. Tous les autres, je ne vais pas dire nous copient un peu, mais je veux dire, on est toujours précurseurs dans beaucoup de domaines. Ah oui, donc vous confirmez ça? Oui, bien sûr. Alors, dans quel type de domaine c'est réel, c'est mis en place? Alors, si à part vous... les premiers secours, évidemment. Oui, alors on a 3 grands domaines, mais pour faire court, ce qui tourne autour de la maison. Avec les risques que vous pouvez avoir à votre domicile, les risques domestiques, les risques de chute, vers les seniors, vers les enfants, sur la maison aussi, et ça se multiplie, les petits conseils pour lutter contre le vol. On a bien sûr dans un autre domaine un grand catalogue d'opérations de prévention sur la sécurité routière et le risque automobile, et puis sur la santé, avec des conférences par exemple sur la diététique, sur le bien-être, sur la manière de bien se comporter aujourd'hui et de profiter effectivement tout en ménageant sa santé. Et vous avez l'impression que ça correspond à une demande de vos sociétaires, à une attente? C'est tout à fait évolutif avec notre société. Notre conférence qu'on vient de bâtir sur le bien-être, il y a 10 ans, on ne vous l'aurait pas proposée. Et on a répondu à un réel besoin avec intervention de sportifs de haut niveau, avec intervention d'un chef cuisinier, d'un responsable d'association qui allait dans... Voilà, ça c'est vraiment nouveau, et nous sommes obligés de faire évoluer nos sujets en fonction de l'évolution de la société. Lieutenant Lenné, est-ce que pour les pompiers, la prévention, c'est aussi une dimension importante? C'est une priorité. C'est une priorité. Il vaut mieux prévenir que guérir. Il faut toujours anticiper. Ça fait partie de notre devise. L'anticipation, c'est quelque chose qui est primordial. Voilà. OK.
Quelque chose à ajouter, quelqu'un ou pas ? Oui, je voudrais revenir sur ce que le lieutenant a dit tout à l'heure sur Vitry-le-François, parce que Vitry-le-François est une opération qui nous a été demandée par la mairie. D'accord. Donc, pour vous montrer qu'on a nos formations qui sont programmées, mais qu'on peut aller au-delà, et si une collectivité est intéressée, on peut s'adapter et faire, je ne vais pas dire du sur-mesure, mais là, ça a été quand même le cas, le 1er juillet vers le personnel de la communauté de communes, enfin de la commune, et le lendemain pour les responsables d'associations sportives et autres. Et c'est une opération que je voudrais saluer parce que nous l'avons très très bien vécue et ça va tout à fait dans l'objectif que l'on recherche. Un modèle peut-être pour les mois qui viennent. On est bien d'accord, vous me le prenez de la bouche. Ok, bah écoutez, merci à vous trois. Et puis bah, je rappelle le site compama.fr pour tous ceux qui voudraient s'inscrire ou se renseigner sur ces formations au premier secours. Bonne journée à tous. Merci.